bonjour à tous, c'est Pyrux, c'est Galéus. Comment ça Alors, va? Pyrux, très bien et toi? Tranquille, et là vous allez nous dire tout de suite, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un solo normalement. Écoute, Galéus, explique tout ce qui s'est passé. Alors, je vous explique. J'ai tourné un épisode en avance par rapport à Pyrux. Du coup, j'ai continué et je suis arrivé à un niveau où on affrontait quelqu'un d'important et je me suis dit, non, ça je peux pas le faire en solo, je suis obligé d'aller avec Pyrux. Tu l'as bien fait, Donc, heureusement. voilà, donc je t'ai appelé et puis il m'a dit, ouais, pas de soucis. Il y a moyen, il y a moyen, écoute. On se dirige Du coup, on vers dirige vers le le. drapeau. Pas Vers de le drapeau soucis. qui est donc le foyer éther, il me semble que c'est ça. En Qui sachant que c'est un personnage s'appelle. important, vous imaginez bien lequel, il Oui, n'y a pas de carte qui va te tirer, hein, du coup. voilà, c'est ça, on ne tire pas la carte vu que c'est comme ça. Alors, je suis dedans, tu me dis quand il y est. J'arrive, t'inquiète. J'arrive, ça Vas-y, arrive. vas-y. Alors. Ah là là. Du coup, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai rien dit à Pyrux et voilà, je vous dirai à vous, c'est la découverte. On est rentré, on a récupéré mon glouton! Glouglou! Ah oui, je peux aussi faire glouglou. Voilà, il faut que tu fasses ce glow. Eh bien, pourquoi tu fais cette tête? Ophélie, désolé, mais l'heure n'est plus à la rigolade. Il s'est passé quelque chose? C'est Lily. Elle s'est fait Putain. enlever. Oh putain, mais celle-là, mais. La meilleure. Quelques jours Quelques plus heures plus tôt. tôt. Comment osez-vous? Bah alors, tu vas te faire la malle comme la dernière fois, hein. Je suis déçu, moi qui te prenais pour la reine des dégonflés. La dernière fois que je me suis retrouvé en danger, Doudou a voulu me protéger. C'est pour ça qu'il a utilisé son pouvoir, au péril de sa vie. Je ne suis peut-être pas capable de grand-chose, mais je me suis promis de ne plus jamais le forcer à utiliser son pouvoir. Et c'est pour ça que je ne flancherai pas face à des voyous comme vous. Et là, tu crois que t'es pas dans la mouise, peut-être? Redescends de ton petit nuage, princesse. On se calme. De toute façon, elle n'a plus rien qui puisse nous intéresser. Et puis, il y a un truc qui cloche. On m'a dit que tu étais une voleuse de Pokémon, mais t'as vraiment pas la tête du métier. Va falloir que je te tire ça au clair. Je viendrai avec vous, si c'est ce que vous voulez. En échange, je vous en prie, ne faites de mal à personne. Pendant que Margie n'était pas là, l'autre fille, Apocine, elle est revenue. C'est vrai? J'en reviens toujours pas. Je suis censé être dresseur et pourtant, c'est Lily qui m'a protégé. Alors qu'elle ne sait même pas servir d'une Pokéball. Oh, il est là. Impossible! Pendant tout ce temps, c'était Lily qui avait Cosmog. Hein? Tu connais Lily? On ne peut vraiment pas compter sur vous. À cause de vous, Lily et Cosmog. Ah, je vais faire un malheur. Oh, quoi? Eh oui, mon gars! Oh, trop stylé! Ouais. Ah oui! Allez, c'est parti, on affronte Gladio. Qui est Oh, réel, hein? Jojo pose! Allez, go! Nosferatu! Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout là. Du coup, j'ai capturé un Mimiki juste après. Je l'ai retrouvé dans le bras de l'épris. Ouais, enfin, je sais plus si je te l'avais dit. Non. Du coup, voilà, il a dans slam. Je l'ai appris dans slam. Il est assez bon. Hein. Il est assez long? Il est assez bon. Il est bon, ouais, non, je sais qu'il est bon. Ouais. Mais avec son photomasque, tu vas te faire plaisir. Mais d'une force. Tu te rends même pas compte à quel point. Il va vraiment te permettre de te faire une danse lame gratuite et spammer les ombres portées. Oui, En plus, il est Griffombre rapide, même. je crois. Voilà, j'ai Griffombre. Ah ouais, t'as pas encore ombre portée. Mais il l'avait au Si niveau je l'ai aussi, 33. je l'ai ombre portée, Ah, ouais. c'est bon celui-là. Mais il l'a dans sa lame de base, comme ça qu'on te capture. Ouais. Oh punaise, ouais. Oh oui, il a pour mâchouille. Ça, c'est très bien. Niveau 38. Ok. La musique de Gladio, mais. Ah, il me rend fou. Ah, il Oh, me moi rend. je Ouh, m'en j'ai fous. les tétons qui pointent. Oh là là, allez, Galéus. J'étais ton Allez. cul. Alors, qu'est-ce qu'il m'envoie déjà? Je sais un peu plus ce Et qu'il du coup a. j'ai mis une petite chemise Pyrux parce que tu peux pas me voir, mais Écoute, pour fais-toi l'occasion, plaisir. je me dis que quand même. Petite chemise, écoute, moi je suis comme ça. Hein. Petite chemise, genre, mais comment ça se fait? T'es sorti juste avant, c'est ça? T'as fait la fête, t'as bu, t'es allé au bar. À J'allais boire midi. un peu de rhum parce que la dernière fois ça m'a pas suffi. Ah, il est là, regarde, il est toujours là, il est à côté de moi. Il me titille le rhum. Tu Oui, je l'ai un narnes? peu vidé, ouais. J'ai du rhum et montage. Je pète un peu un câble. N'importe quoi! Ah, regarde. Ah là là. Ah là là, Booba, Sans Booba. changer. J'en ai où là? Le Farfuret, il s'est fait des boîtes et maintenant il reste plus le dernier. Eh ouais, c'est type 0 mon gars, bon tout ça. Ah ouais, type 0, ouais. Ça devrait aller avec Booba. Je sais pas ce qu'il. Ah, est-ce qu'il a un type maintenant? Toujours pas. Je sais pas. On va voir Je ça. crois pas. Hein. À moins que ça change. Ah non, il est pas. Ah non, je crois que les types c'est avec Sylvalier, je crois.
Ah oui. Non, là, il a le talent. Je sais plus ce qu'il a d'ailleurs. Si j'envoie Fantomas, c'est parce que. Et c'est le... Non, c'est pas le one shot. Non, hein, t'as vu, il est. Il est costaud, hein. Il est costaud le type 0. Alors j'imagine pas s'il va allier. Ouais, je pense que. Mais il a combien de bastats, je crois, le type 0? Il a genre... 85 partout, je crois. Un truc comme ça, 80 partout? Non, peut-être pas autant. 65 partout, peut-être. Mais c'est pas énorme. Ouais, coco. Et il a, je crois, 95 partout en compte il évolue. Ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est genre un petit peu moins qu'un légendaire, genre Mew, tu vois. Il a 100 partout. Ouais. Type 0 aussi, tu vas lier. Oh oui! Bijou, il apprend la Zardas. Oh, ça c'est bon. À la place de Dawn Boreal, c'est combien Dawn Boreal? 65. Et la Zardas, c'est Ouais, c'est pas 90. terrible Ouais, quand c'est même. bon. Hop. On a un truc intéressant! Je vais voir s'il apprend une attaque fée, c'est très cool. Avant de. À moins qu'il apprenne en évoluant. Parce que vu que c'est pas une fée maintenant. Ah. J'ai peur, les gars. Au pire, je trouverai la CT, hein. Ouais, je peux faire ça au pire. Ok, bon moi c'est bon, j'ai mis KO Très bien aussi. aussi. Alors attends, je finis le combat. Grosse, qu'elle peut m'agacer. Et toi, il y a marqué quoi à la fin? Je me posais la Pardon, ce question. combat était des plus futiles. Ah J'aurais oui, dû non, m'en mais contenter. avant. Bon, c'est Ah, pas. avant, j'ai pas vu, non. Parce qu'elle peut m'agacer, mais je sais pas si c'est Lily ou c'est moi en fait. Ah, je pense Bon, que c'est bref. toi. Du coup, il Ah. dit il, je pense. Je sais pas. Pardon, ce combat était des plus futiles, j'aurais dû me contrôler. Mais je me tue à vous le dire, bon sang! Cosmog va semer la désolation à Alola. Je dois le retrouver. Il faut aller à l'embarcadère. Toi là, tu viens avec moi, ok? Alors du coup, on y va? Bah oui, on y va, tu confonds ce que Ouais, l'autre. allez, c'est On n'a pas le parti. time. Bien, allons-y. Il y a le Goroutan derrière qui s'est retourné. J'ai Ah, du coup, fait. ouais, on change de ville complètement. Mais et voilà, et là tu vas voir. Tu vas pas capter. Ok, j'ai pas capté. C'est toi là, toujours. Oui, pfiou. Ton pote là, Tilly, on devrait l'attendre, non? Oh, il nous rattrapera, Ouais, hein. clairement, clairement alors. Ok, c'est un sacré numéro, ce Tilly. Quand je pense qu'il veut défier le doyen de l'île, son propre grand-père tant respecté, je crois que même moi, je n'oserais jamais faire une chose pareille. Non. Dan, qu'est-ce que vous faites là? C'est lui? Cocoyo est... Cocoyo est déjà tombé... Attends, je vais faire une voix blasée. Cocoyo est déjà tombé aux mains de la Team Skull, il n'y a plus rien à faire. Du coup, je suis au chômage technique. Ah mince. Et puis... Je voulais te dire, c'est moi... Quoi? C'est lui, vraiment? Oh l'enfoiré! C'est moi le doyen de l'Oula-Oula. Bref, ça te dirait de tâter du tonton. Donc on va pour l'expérience tout ça. Ça ce sera utile si tu veux devenir lauréat du Tour des Épées. Ok, sans balai, ok, vas-y, pas de problème. Ah mais... Sans moi. Non, je... Tu veux juste me T'inquiète, laisser je là. vais aller mollo. Mais comme ça, direct, comme ça, sur le port! Voilà. Du coup, j'avais tourné solo jusque-là et puis non. Alors, donc, c'est pas je pense pas qu'il sont... Il te fait pas penser un peu à GTO, un petit peu. Ouais, trop, à Onizuka, un peu. Mais oui! J'avoue, il a un petit air de blasé, à Du coup, Onizuka c'est quoi aussi. ces ténèbres? J'imagine le type. Putain, la musique! C'est la même chez tous les doyens? Ah oui, c'est vrai. Ah, il nous les a soignés, je crois. Je sais Attends. pas, moi j'ai Oh, pas. ils se sont soignés. Ils ont soigné? Ouais. Ah, ça c'est cool. Du coup, bah non, c'est l'âme, tiens. Placé sur. Ah mais c'est ténèbres, putain. Il va faire coup critique! Repli tactique! Non, Itra n'a pas été utile. Bon alors. Ça commence très très bien déjà. Commence très bien. Bon, on va mettre mon starter, tiens. Ah, je l'ai pas mis la Felino machin. Je l'ai pas remise. Aussi. Ah oui, je l'ai mise. Est-ce que je fais Dark Lariat? Non, on va Ok, garder. ça c'est. On va garder Un pour ce peu qu'il y a plus, un après, peu ce que je plus. sais pas, c'est ce qu'il y a après. Allez, c'est parti. Je pense qu'il est KO. C'est ce niveau 38 quand même. Ah mince, mais rayon gemme, ça risque de faire bobo. Mais c'est bon, on est Des bons gosses. des bons gosses. Alors, s'il y a déjà Ténéfix là, ça me fait un peu peur pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ouais. Pokémon Dark en fait? Attends, je réfléchis. Fais un pardon. Non, j'ai. Ouais, c'est fait l'inferno comme ça, au calme, le gars. Ça me vient Voilà. pas, là. Ben on va voir. Escroco. Wow. Boom. Attends, On va Escroco. changer. Ah ouais, Escroco, Escroco. c'est dangereux. Escroco, sol ténèbres. On passe sur Wow. Booba. Booba, il tient le physique, Booba. On passe sur Croussardine. Ouais, ça pose souci. Intimidation? Oh, petit enfoiré.
Ah, mais c'est le moyen, ah oui. Ah oui, c'est pas le truc horrible. Ah oui. Ouh là, il voulait me faire vantardise. C'est dangereux, mon petit gars. Je vous Et écoute. hop, ça c'est fait. Il reste plus que le dernier. Qui est-ce? Un gars de la 7G. Attends, ça me dit rien. Ténèbres, comme ça. Barbare, c'est quoi? Oh non, c'est lui! Oh oui! Il a trop la même tête que le. Il a la même tête de blasé que le dresseur. Je te laisse C'est vrai? deviner. Ouais. Attends, je vais voir. On a pas une tête de. Oui, on a une tête de blasé un peu. Oh, c'est lui! On est un peu déçu, hein. Bah, il est ténèbre. Il est que ténèbre. Oh la. Ah, Oh non, mais t'as mon spell! Je savais pas. Oh, ça va. Oh, il m'a trouillé. D'accord. ça bluffe? False Z. Non, il a pas fait bluff. Il m'a fait Vible Obscur. Attends, Ah, il vibre s'il obscur, me punaise, ça trouille fait mal. alors que je fais la force Z. Non, c'est bon. Soupa, Booba, Dance. Ah si, moi bluff, moi. Hey, t'as bluff toi? Ouais. Putain, j'ai pas le vibre obscur, Ah ça non, fait parce que chier. moi je suis tellement lent qu'en fait il m'a pas bluff, je pense. C'est pour ça qu'il s'est dit allez, j'attaque. C'est vrai. Ah, j'adore ce tour. Regarde-moi ces tours, mais magnifique! Il va faire Soupa, 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 punch, 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 Ah, et ça c'est le. Bah, ça va être le doyen qui a été. Le. attends, mais est-ce qu'on a Oh! le... C'est lui qui fait la capacité Z. Il a résisté. Trou noir des ombres. Waouh, c'est trop beau! Oh mon dieu! C'est énorme! Enfin, bon, il a pas encore fait. Je sais pas s'il aura temps de le faire, toi. Non, il a résisté. Oui, il va. Oh non, il a loupé. L'attaque. Il va obscur encore. Putain, il est resté un PV, les gars, vous avez vu ça? C'est n'importe quoi. Elle est magnifique, l'attaque Z. Il va nous la donner, mais elle est magnifique. Ah ouais, Oh! du coup, c'est Dark. Attends, Dark, c'est qui Ouais. pourrait la donner à Dark? Attends, je me soigne, les gars, parce que là, c'est un petit peu mon main Booba contre lui, hein. Parce que Booba, il est typé combat normal, Oh! tranquille. Trop mal. Là, il va me la faire, je pense. Il Logiquement. va me Ah la ouais, faire. il va me la faire. Ah ouais, tu vas voir, elle est Allez, magnifique. vas-y. Le Pelsion se déploie. Le Pelsion se déploie encore. Le trou noir des ombres. Invoque le magicien des ténèbres. Soupa! Black hole! Oh putain! Oh, c'est trop stylé! T'as vu? Oh là là les dégâts! Alors que c'est pas efficace! Il m'a fait presque midlife! Alors que je suis un type combat! Mais tu te détends! Vas-y, non, tu me flinches pas! Tu me flinches pas! Il m'a flinché. Allez, j'y crois encore une fois. Tu flinches pas, tu flinches pas. Allez, mon ourson, tu peux le faire. Chelou, ça. Oui, chelours. Et c'est le goal. Et le Persian, il est beaucoup plus récent que ce que je pensais. Hein. Je crois qu'il Ouais. a gagné à la défense, ce truc, ou des PV, ou je sais pas. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que franchement, il est beaucoup plus récent que Persian, mais vraiment trop. Voilà, Et du c'est coup, bon, j'ai j'ai enfin terminé fini. aussi. Là, il fait le petit rictus avec son... à la Ouais, fin du match. Ouais, exactement. super. Exactement, en même temps, c'est-à-dire. Purée, purée. Après, ils explosent moins chelou, je savais que tu allais assurer, mais à ce point. En tout cas, tes Pokémon se sont bien battus. Laisse-moi les soigner. Son Rictus, en fait, c'est vraiment le Pokémon Ténèbres, genre le vicieux. Ouais, c'est ça. Allez, prends ça. Et ne me remercie pas. Ténébrés élites. Non, je sais pas. La Ténébrose Élite, peut-être. Les pros Ou élites. Dark Rose Élite, non, je sais pas. Non, parce que ça reste en français. Alors, c'est peut-être Ténébro. Du coup, c'était assez. Ouais, c'était assez. Je m'attendais pas à ça. Ouais. À ce match. Et c'est cool du coup. Parce qu'on ne s'en sortait pas du tout. Alors. Ça fait plaisir. Pour invoquer la Ouais. force Z de type ténèbres, tu bouges comme ça. Voilà. Ouf, oh, ça, ouf, je transpire. On va Ouf, pas voilà. gagner Star. Ouais. Oh, oh. La tête qu'il avait. En Ouais, zinzin. ouais. L'autre, il fait. Oui, d'accord. Non, mais non! Oui, mon dos. Voilà, tu as fini toutes tes épreuves d'Oula Oula. T'es content? C'est quoi ce gars? Qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, file! Et vas-y, mollo, tu feras pas de vieux os. Quant à toi, Gladio, tu veux devenir fort, non? Pourquoi tu traînes avec la Team School alors? Franchement. Ophélie! Si tu prononces encore les mots, c'est trop bien, je t'étouffe. Je m'en veux, si seulement j'étais plus fort. J'en ai rien à battre de ce que tu dis, Gladio. Lily sera encore avec nous. Alors je fais contre mauvaise fortune, bon cœur, et je garde le sourire. Ça va l'énerver, l'autre. Où est-ce qu'ils ont emmené Lily, d'ailleurs? Ça peut pas être à Cocoyo, Ophélie était. Tiens, malgré tes airs d'imbécile heureux, tu n'es pas complètement idiot. J'adore qu'il ne le respecte pas. En effet, ils l'ont amené au paradis éther. Hein? Au paradis éther?
Enfin, je dis Ether, il y en a qui disent Ether, je sais pas comment dire. Moi je dis Moi je Ether. dis Ether aussi. Comme les haters, tu Putain. Comme les Ether. Oh, trop stylé! Leur Zodiac là. Pas stylé, Ils Zodiac. ont un zodiaque, quoi, stylé. Bon, on est arrivé ici en un seul morceau, c'est déjà pas mal. Par contre, j'ai un mauvais pressentiment. Gardez l'œil ouvert. Oh, la musique. Ouais. Pourquoi tu penses que l'idée est au paradis Ether? Je t'en pose des questions. Ah, mais il m'énerve! Bon, on fait quoi alors? On la recherche, cousin, c'est bon. Commençons par prendre l'ascenseur, on avisera ensuite. Le truc, c'est qu'il est pas du tout. Genre, Mais on il va est bien se fou, il faire n'a voir. aucun plan, rien! Il débarque comme ça avec ses Pokéballs, mais il n'a aucun plan! Est trop con. J'adore. Ouais, Pyrux, nous on a un plan. Alors, Encore déjà. sorti. À C'est qui l'avance. ça? Je sais Mais qu'est-ce pas. que c'est que ce bazar? Veux-tu retourner à Malier? Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, il faut aller au centre, Ah! Pyrux. Oh, il y a des combats! Oui! On s'est fait détecter! Ouais, je vais le faire. Bah, t'es obligé, hein. Ah, on est Enfin, obligé? des. Ah oui, elle se Oh! retourne. C'est leur emblème et tout! Il est trop stylé, on dirait un. Oh, mais oh, ils sont trop bien! Tu sais, ils ont l'air tout gentils, en fait, c'est des gros bâtards. Ah, la musique, elle est géniale. Ouais, trio piqueur, là, c'est moins génial. Ils sont forts au niveau des niveaux, en 37. Ah ouais, le sol. Ouais, je voulais mettre Booba, les gars. Booba, c'est mon save. C'est mon sauveur. La musique est pas mal. Oh, il fait tunnel. Petit vicieux des familles. Ouais, fait du reforce, c'est pas terrible. Hein. Ah ouais, bon, c'est déjà mieux, au moins. Enfin, quoi que les deux. Force, c'est pas bien sûr. À moins que tu Je regardes sais pas, le, l'album ouais, la Ciudadela, je sais pas ce spécial, qu'il a comme stat. je pense pas. Hein. Ouais, Genre un truc comme ça. doit pas être ouf. Ouais, avec Griffon. Et la boubombe. Mais nul. Ils ont toujours pas d'attaque. Oh les gars, c'est n'importe quoi. Colimucus? Oh! Intéressant. Est-ce qu'on essaie de mettre Goupix? J'ai peur qu'on le perde. En soi, on est Non. toujours dans l'épisode du truc, mais bon. Normalement, moi je On dirais que c'est contre le. va le tenter. Ouais. Parce que bon, c'est Colimucus, c'est pas non plus Muplodocus. De plus. Je suis niveau 36, j'ai une bonne défense P. Allez, j'y crois. Et Bonne je fois. réussirai. Première apparition de bijou en combat, Laser Glace! Ouais, mais c'est comme le mucus, hein. Je le prends Attention! haut. Oh, il résiste trop bien. Eh oui. Oh, je l'ai gelé! Oh Ouais. oui! Il est gelé! Ça, Hashtag c'est Pyrux, beau! chat de Pyrux. Dans les Ah, commentaires. ça, c'est trop bon, ça! Est-ce qu'il Chat va se de Pyrux. dégeler? On va se le faire. Non. Est-ce que vous voulez l'évolution de Goobix? J'hésite, hein. Eh non, il faut pas Pyrux, il faut pas. Non, je rigole. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux super bonbons. Non, on va faire un truc. Je rentre au niveau 37 et j'utilise ces deux super bonbons. Et s'il apprend toujours pas d'attaque fait, je le fais évoluer. Ok, on fait ça. C'est ambitieux, hein. Ambitieux, tu crois? Enfin, je veux dire, je sais pas s'il apprend une attaque qu'il fait alors qu'il vient d'apprendre Laser Glace. Ça ferait 4 attaques. Attends, 4. si tu veux. Allez, attends, je vais vite fait chercher si tu veux. Ah, tu veux chercher? Ouais, allez. Ok, vas-y. T'es un amour. T'es un amour de poteau. Un Alors. amour de poteau. Attends, je suis pas derrière ou pas? Attends, on a. Ah, c'est bon. Bien. Toi, t'as quoi, toi? On m'a des chassés dresseurs qui traînent dans le coin des ordres, toujours au désordre. Bon, les gars, on est parti pour 1 heure d'épisode au cas où, hein, si vous avez pas compris. Alors, tu cherches quoi une attaque fée? Putain, trop stylé. Ouais, ah Il non, apprend ouais, pas. attaque fait. Il apprend pas. Elle apprend pas? Et Feunard non plus? Attends. Laser Glace niveau 36, hein. Ouais, Il après. apprend pas d'attaque fée, non. Ah. Alors attends, je vais voir Fenard Feunard, ouais, peut-être? regarde Feunard. Oh non, du coup, peut-être que j'aurais dû le faire évoluer avant. Non! C'est comment Ninetales. Ninetales! Alors, il va amener Zygarde, bon, s'il veut. Ça m'empêche pas, bon. Alors. Fais gaffe, Zygarde, faut pas qu'il crève, hein! Ah oui, c'est vrai! Mamma mia. J'avais oublié ça. J'ai oublié ce que t'as. Engorgement, zut. Alors. Non, visiblement. Elle apprend rien du tout. Ah, Ah. si, attends. Il apprend Dazzling Gleam. Donc, c'est C'est. avec la Ouais. magie. Quand? Mais au niveau 1, donc tu pourras lui réapprendre. Ah, alors, ça veut dire. Je pense que le En niveau 1, fait, ça veut tout au dire que niveau quand 1. il évolue, il apprend l'attaque, je crois. C'est-à-dire ça. C'est Tu crois? possible. C'est possible. Parce que par exemple, moi, j'ai évolué avec mon Loup-Garrock. Pas à son niveau qu'il aurait dû évoluer, genre un niveau plus tard, donc il aurait pas dû apprendre Axel Rock alors qu'il l'a appris. Et je pense qu'Axel Rock il l'apprend par défaut, peu importe quand, et donc ça veut dire que c'est écrit niveau 1, tu sais ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. Du
Du coup, je sais. Attends, sinon il apprend Moonblast, mais par élevage, breeding. Oui, bon, après, ouais. Ah ouais, Moonblast, d'accord. Ouais. Luminéon. D'accord. Pourquoi pas, hein. Les poissons, on les aime bien. Ouais, sinon, non. Luminéon. Pourquoi pas, les poissons les aiment bien. Hein. Non, je... il est bon. Écoute, ouais. Les poissons à la broche, hop. Non, franchement, ouais, Luminéon, ça va. C'est pas trop dérangeant. Le vampirisme, la gueule, il fait Rune Protect, Anneau Hydro, c'est vraiment un truc inoffensif. Du coup, vous allez voir une petite évolution dans cet épisode. Ou alors, de toute façon, non, mais je peux vous la garder pour le prochain épisode. Eh ouais. Ouais, on va faire ça. De toute façon, ça change rien, de toute façon. Peu importe le niveau là. Bon, les saumures. Hein. Ah non, Anneau Hydro. J'ai rien, moi, contre les types. Ouais, faut vraiment que je prenne mon Pichu et que je le monte. Ah ouais, Rive Chenola, là, ça serait sympa. Ouais. En fait, prendre l'ascenseur, en fait, ça va être le défi, en fait, prendre l'ascenseur. Parce qu'il y a trop de dresseurs. En fait, on fait une pénétration dans la planque à la fondation Ether, en fait. Et qu'on pensait gentil, mais bon, on savait tous qu'il y avait un truc qui clochait, mais on savait pas quand et comment ça allait se faire. Drakaus. Ah oui. Drakaus. Ah oui, alors ça commence. Oh non. Oh, tu le sens, le Dratak du boss. Enfin, s'il y a un boss à battre, je sais pas. Un petit Dratak au calme, famille. En plus, il a fait sûrement le SOS, du coup, il peut avoir le niveau 11, donc c'est possible. Attention. Le SOS. Ah non, je crois qu'il a. Oh, il ramasse. Il a Dracogriffe. Ah ouais, non, mais en fait, dans ce jeu, j'ai l'impression quand même qu'ils apprennent quand même des attaques assez sympathiques. Ils leur mettent des sets vraiment cool. Ouais. Franchement. Mais genre, il me dépasse. Oui, il me dépasse, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un Dracarus. Je pense qu'on peut les éviter, hein. Ah non, on a vu. Non, mais c'est pas grave, on les évite pas. Putain, j'ai besoin de fric, elle a dit. De fric? Ouais. À la fin, elle vient par là, j'ai besoin de fric. D'accord. En fait, il veut choper ton fric. Avec l'argent. Je pensais pas qu'on allait les affronter comme ça, en fait. Oh, attends, là, on a pas encore pris l'ascenseur. Peut-être qu'on prend l'ascenseur, on va avoir plus de réponses. Si ça se trouve, on prend l'ascenseur, on va dire que ça arrive vers le chef, qui va nous dire « Alors, c'était ça, en cas que vous vouliez ?» Mmh. Ou on va arriver chez Lily en fait directement, je sais pas. A mon avis, comment c'est parti, vu comment ça a enchaîné cet épisode, je pense qu'ils sont partis pour nous faire. Genre galérer au début là, prendre l'ascenseur et ensuite qu'on a pris l'ascenseur, c'est bon en fait. C'est un peu notre objectif. Ouais. Tu te rappelles à l'époque avec la carte magnétique dans la zone de la Team Rocket, c'était vraiment relou à faire. Hein. Ouais. Il fallait se rappeler le téléporteur et tout, tu sais, à Safrania là. Ouais. Oh là là. Oh non, c'est Azopol ? Non, Safrania. Oui, Safrania. Il fallait au préalable avoir la Sylphstar, je sais pas, c'était trop le bordel, je me rappelle. Pour l'instant, depuis ce jour, enfin depuis ces versions, on n'a pas eu trop de planques compliquées, on va dire. On peut prendre l'ascenseur. La Team Galaxy, je me souviens. Il y avait la 5G aussi, il y avait un truc sur le bateau là. Dans la ouais, 2... c'est vrai. Il y avait dans le bateau. Aussi. Je me rappelle plus ce qu'on va faire dans le bateau. Ah, j'ai choisi à l'ascenseur, on peut aller à l'ascenseur. Mais j'ai vu qu'il y avait des objets, mais bon, je le prendrai après. Ouais, en fait, il faut faire. Tu fais 3 combats, et après, ouais. au quatrième, tu peux juste. Enfin, si tu te fais pas choper, tu vois l'ascenseur. Du coup, voilà. Du coup, les okay. amis. Ok. Bah, du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on s'arrête Non, on continue. On continue, ok. Ouais. Franchement, on est juste à 23, là, je vois. Autant avoir un bon épisode avec 30 minutes qu'un épisode un peu sur notre fin à 23. Surtout que il 7 a raison. Minutes. Si ça se trouve, il y a encore un deuxième étage, on devra faire des combats, donc autant les faire. Ok, alors, donc du coup, là j'arrive. Mm-hmm. Ah oui, il y a l'ascenseur. Ah oh, mince, c'est un combat. Il l'a chopé. Et je pensais pas, il était devant, je me suis dit, ah, il doit nous ouvrir le. Oui, vous voulez monter à quel étage, monsieur? De qui il lui parle, alors qu'il a battu les autres. Genre, il s'est dit, ouais, lui c'est bon. Alors, il avait quoi, lui, déjà, comme poké? Ah non, il a pas de poké, je sais pas, parce que j'ai pas combattu. Mais non, il en a 3. Oh là là. Oh là là, catastrophe. Du coup, je monte l'étage, moi. Oh non. Juste voir s'il y a un truc en haut. L'accès au sous-sol allait réservé aux personnes autorisées. Je pose, je m'attendais un peu, mais quand même. Pas le choix, allons à l'étage. Hein, ça m'a l'air pas trop. Genre, ça m'a l'air d'être un deuxième étage idem que celui-ci. Ouais. Attends. Ah non, je sais pas. Ah non, ah pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est moi qui fera cette voix, lui. C'est bien qu'un seul, non? C'est qui c'est qui parle comme ça dans mon épisode? Moi je l'ai fait en solo, donc je peux pas savoir. Il y a un épisode avec la Fondation Ether, je parlais comme ça. S'il n'y a qu'un seul nom à retenir au sein de la Fondation Ether.
Ah bah ça doit être... C'est celle lui dit, direct. Ouais, c'est Sobonne. Sobonne. Ça se trouve, on va faire un combat contre lui. Hein. À tous les coups. Non, peut-être à tous les coups. Peut-être qu'il va dire, Vicky, viens, fais le combat. Ou alors il va nous dire, écoutez, vous voulez retrouver Lily vivante? Allez à son endroit précis. Et là, on va réveiller Cosmog et tout ça. On va voir, on va voir carrément le légendaire niveau 50. La Master Ball qui va être donnée aussi. Hop, hop, hop. Tchao, vu, tranquille. Moi, je devine peut-être. Je devine tout. Non, je rigole. On se rapproche. Il fallait bien que ça s'accélère. C'est vrai que c'était un petit peu mou au début. Enfin, au début. On découvrait au début. Au début, c'était mou. Bah, après. Mais je dis pour la deuxième île, je trouve que ça devenait mou en fait. Avec les trois épreuves à faire, c'était répétitif d'une part. C'était pas compliqué. Et c'était toujours à peu près la même chose. Là, enfin, ça a changé. Et ça commence à s'accélérer. C'est vrai. En fait, ils ont tellement de Pokémon à mettre en place. Enfin, de Pokémon, genre, de personnages à mettre en place. Ouais, voilà, c'est ça qui est long, en fait. Du coup, à chaque fois, il y a l'introduction du personnage, donc il blablate. Et après, bah voilà. Après, il y a des trucs un peu différents. Par exemple, pour Gladio, on n'a pas tout du découvert qui c'était, il parlait pas trop. Donc du coup, ça nous intriguait. Mais sinon, tous les autres, genre Sobonne et Vicky, hop, introduction. On a fait carrément un épisode complet dans la Fondation Ether pour présenter tous les personnages de la Fondation Ether qui étaient importants, qu'est-ce qu'elle servait, etc. Donc, tu vois. Idem pour les capitaines et doyens, pour qu'on comprenne, et bien, ils ont fait carrément un tuto pour le premier doyen. C'est clairement ça, finalement. Ah, oui, oui. Ils ont dit, alors tu vas là, tu vas battre le capitaine, après tu vas là et tu vas battre le doyen, et après voilà, en battant le doyen, tu deviens ça, etc. Enfin, ils expliquaient tout de A à Z. C'est normal, on n'avait jamais fait ça auparavant. Maintenant, moi, je serais étonné de savoir. Tu vois, suite à ces jeux, de savoir quelles questions ils vont se poser. Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que Sunemoon a fonctionné? Le concept, est-ce qu'il a marché? Ou alors, ils vont se dire, bon, on revient comme avant, c'était peut-être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas ce qu'ils vont se dire, du coup, après Sunemoon. Si ça a marché, forcément, ils vont hésiter. Et si ça n'a pas marché, bon, enfin, pas marché, moins marché que d'habitude, ils vont se dire, bon, on va revenir, je pense, sur les bonnes bases. Mais si ça marche, franchement, je pense qu'ils vont se poser plein de questions. Est-ce qu'ils vont faire un mixte? Est-ce qu'ils vont retourner en mode capitaine? Je sais pas. Je sais pas, on verra. Du coup, j'y suis là. Ah, s'il n'y a qu'un seul nom à retenir au sein de la Fondation Ether, c'est celui du directeur de la frange d'Alola. Autrement dit, le mien, Sobonne. Bref, pourquoi reviens-tu ici et ce sans invitation? Tu sais très bien ce qui m'amène, Sobonne. Tu sembles déjà bien informé, mais je n'ai aucun commentaire à te faire. Tu me connais, mon cher Gladio. J'aime avoir mes petits secrets. Ophélie, en combat Pokémon, tout le monde est sur un pied d'égalité, quel que soit son âge. Ah, vraiment? Je suis le pilier du paradis Ether et tu veux que je m'abaisse à affronter des enfants? J'étais sûr qu'il allait pas se combattre tout de suite. Après tout, ah non, pourquoi pas? Ah non, alors je dirais jamais. Oh. Donc là, l'autre attaque, hein. T'es prêt? Non, je rigole, je sais pas. Je sais pas, hein, mais... Non, je sais pas du tout non plus. Yeah, ma moustache. Oh là, un seul Pokémon. Oh là, c'est Drattak, hein. Hypnomade. Ah alors là, je suis déçu, hein. Un petit peu. Je suis déçu. Ouais, niveau 45. Allez, salut. 45? Non. Non, j'en sais. Ah ouais, 43. Mais non. Mais non, t'inquiète. Ah là là, t'inquiète ou. Et c'est le one shot. Oh non, t'exagères un peu. Mais c'est pas ma faute. J'ai Escarmouche, c'est une priorité. Et puis les types insectes, et il mettait n'importe quoi qui était pas psy, comme les trois matchs d'avant, je devais switcher. Il a autant d'attaque que de défense, il a 134 les gars, regardez-moi cette attaque. Scandaleux. C'est scandaleux effectivement, tu peux le dire. Non, scandaleux que t'es terminé. Ah non, Darnuée, mais arrête d'apprendre des attaques. Darnuée, c'est combien? Il allait faire cauchemar le traître. Il peut faire 50, mais ça sert à rien les gars. Ah, zut, attends, ça n'est chaos ça. Ouais, c'est bon. Après, c'est un hypnomade, il est pas ouf. Hein. Vous avez battu Sobonne, le directeur. Très bien. Loups, je suis un petit poisson. C'est un film. D'accord, bon. C'est les mots. Ah, malheur, j'ai perdu face à un simple enfant. Ophélie, t'es trop forte, t'as réussi à battre Sobonne, waouh. C'est pas fini. Sobonne, quelqu'un d'aussi futé que toi doit savoir exactement ce qui m'amène ici. Les épreuves de la vie ont fait de toi un jeune homme bien impudent. Vous êtes là pour Cosmog, je me trompe? Dans ce cas, vous feriez bien de jeter un œil au sous-sol, mais je ne vous garantis rien. Au sous-sol? Mais oui, une dame Vicky en parlait, elle disait que la secousse venait probablement d'en bas. Faites quoi dans le sous-sol, dites? Je ne sais que ce que l'on veut bien me dire. J'ai entendu parler d'expériences sur les brèches spatiales.
Sobonne, on n'a pas le temps de taper la discute, on pourrait passer à la suite. Toujours aussi impatient à ce que je vois. Bien, je suis un directeur magnanime. Magnanime. Je vais donc vous aider. C'est quoi ces noms si... c'est magnanime. Mon... Excusez-moi si mon vocabulaire est si peu fourni. Eh oui. Je connais les animes par contre, ça c'est bien. Ophélie, Tilly, on descend quand vous êtes prêts. Ah, le mec il a mis. Ah oui, non, il a. Il se casse en fait. Enfin, il clique et c'est un retardement. Alors, tu es prête? Oui. On fait quoi du coup? Ah on ouais. S'arrête là. On ah s'arrête ouais. Là, on fait dans la suite. Ok, ouais, on s'arrête là, on fait la suite en solo, les gars. Punaise, oh là c'est là, chaud. Ça va être bon. Hein. Là, non, tu sais ce que j'annonce? J'annonce non. Que en bas, ils ont réussi à contrôler quelques chimères qu'on devra abattre. Ouais, on en saura beaucoup plus sur les ultra chimères aussi. Ou alors, ouais, on saura plus, je sais pas. On verra Vicky, je pense. Parce que là, c'était trop facile le combat, je pense que c'est parce qu'il nous... y a quelque chose en bas qui nous attend de beaucoup plus fort. Ouais. Et il y a Vicky surtout. Ah, ouais. Ah Vicky trop la hâte. Folle! Allez! Non, c'est bon. Bah, du coup, on vous laisse là-dessus. Ah, franchement, j'espère que ça vous a kiffé. Ouais. Et du coup, moi, je dis non, en fait. Parce que je fais. Ah, ouais, si on met non, oui. Si on dit non, ouais. On aurait peut-être songé à ah, yes, comme ça, on peut soigner et puis on peut surtout faire évoluer Fenard, qui va être peut-être important oh. Dans cette phase. Allez! On vous laisse là-dessus. Super. Allez. Ciao, ciao. Allô, bisous, mangez des pizzas. Et la suite va être ouf. Ouf, ouf, ouf. Allez, ciao, ciao. Ciao.